Bonjour, dans ce tutoriel sur l'utilisation du logiciel de Macromedia Adobe Photoshop CS2, je vais vous montrer comment créer une image avec un effet spatial. Pour ce faire, commençons par ouvrir le programme, puis allons dans Fichier, Nouveau, Largeur 400, Hauteur 400 pixels. Avec arrière-plan blanc, cela me convient. Je clique sur OK. Appuyez sur la touche D pour réinitialiser les couleurs. Vous voyez automatiquement que la couleur du premier plan arrive en noir. Maintenant, nous allons appliquer un filtre nuage par le biais du menu Filtre, Rendu, Nuage. Vous voyez le nuage apparaître. Maintenant, nous allons pixeliser, c'est-à-dire faire apparaître une ligne, enfin des séries de lignes qui vont en fait zébrer les nuages. Pour ce faire, allez dans Filtre, Pixelisation, Mezzotinto, Ligne moyenne, oui, c'est très bien. Ligne courte, non, ligne moyenne. Ensuite, je clique sur OK. Et je vais appliquer un flou radial pour atténuer tout ceci. Donc, filtre, atténuation, flou radial. Et je vais appliquer un zoom. Donc, le zoom est déjà mis. En valeur, je vais mettre 71 ou 70. Voilà, supérieur. Et voilà déjà le résultat. Maintenant, je vais appuyer sur CTRL F pour refaire le filtre. Et vous voyez maintenant le résultat. Car les opérations que nous avions indiquées auparavant n'avaient pas été effectuées. Voilà un meilleur rendu. Maintenant, nous allons dupliquer le calque. Pour ce faire, clic droit sur l'image ici, puis dupliquer le calque. Cliquez sur OK. Une fois la duplication effectuée, nous allons dans la duplication que nous avons opérée effectuer un effet de tourbillon. C'est plutôt un filtre. Filtre, déformation, tourbillon. Vous voyez ici que vous pouvez, avec la réglette de l'angle, faire le tourbillon que vous désirez. Cliquez sur OK. Une fois que vous êtes satisfait, maintenant, nous allons éclaircir le calque en allant dans Normal, puis cliquer sur Éclaircir. Vous voyez maintenant encore un effet supplémentaire qui vient d'apparaître. Et maintenant, nous allons passer à la colorisation des calques par le biais de l'ouverture d'une nouvelle fenêtre en utilisant le clavier avec son raccourci touche CTRL plus U. Nous arrivons dans Teinte et Saturation. Ici, nous sommes sur le calque que nous avons dupliqué, qui sera donc le calque de fond. Nous allons appliquer une teinte que nous allons d'abord redéfinir en cliquant sur le bouton du même nom. Et là, vous voyez que vous avez accès à un maximum de teintes. Donc, nous allons mettre une teinte de 218, une saturation de 33, et nous laissons la luminosité à 0. Cliquez sur OK. Faites de même pour l'arrière-plan.
sélectionnez-le et allez sur CTRL U. Et là, de nouveau, nous cliquons sur redéfinir. Nous allons appliquer 333. Oh, c'est beau. Saturation. Nous allons mettre 34. Et en luminosité, nous pouvons baisser, mettre des valeurs négatives, moins 17. Cliquez sur OK. Et vous avez maintenant votre résultat. Et vous avez cet effet spatial tourbillonnant avec des effets de zoom et avec les pixelisations qui ont donc tourbillonné, ce qui donne un effet assez intéressant. La formation est terminée, c'est à vous.